C'est le confinement, Macron a confirmé. C'est le confinement, Macron a confirmé. Faut rester à la maison, je crois bien que Macron a raison. Faut rester à la maison, je crois bien que Macron a raison. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de novembre. On est déjà à la fin de l'année. Ce maquillage est en tuto, il sera juste après. Ouais, sûrement juste après. Bref, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis aujourd'hui, ça va, je trouve que c'est raisonnable. Ce mois-ci, j'ai été raisonnable. Mais en même temps, normal, c'était le confinement. Donc quand c'est le confinement, voilà. C'est parti. Je vais commencer par tout ce qui est corps, douche, cheveux. J'ai fini le gel intime Hygiène Melvita, c'est le même depuis des années, toujours le même. Voilà, je le rachète, oui. J'en avais déjà deux en backup. Truc de fou, parce qu'une fois je l'ai acheté en pensant ne plus l'avoir et en fait j'en avais déjà un. Bref, j'en avais un en backup et j'en ai encore un en backup, c'est celui que j'utilise. Là, j'ai acheté un d'une autre marque que je vais tester. Allez, on va se lancer un petit peu, mais en tout cas, je le kiffe, je vous le conseille. En gel douche, j'en ai deux. Donc, le premier, c'est le Zoae. Je voulais trop tester cette marque et j'avais eu dans la box prescription lab. Gel douche hydratant relaxant au lumiphénol antioxydant et hibiscus. Donc, j'ai bien aimé l'odeur. C'est spécial, mais j'ai bien aimé. Le côté relaxant, bah non, quoi. J'aime bien le packaging. Et ça a été, voilà. C'est après le truc qui s'est écrit tout type de peau, même sensible. Par contre, le côté un petit peu hydratant, il m'a un petit peu manqué quand même. Voilà, je trouve pas que c'était un truc de ouf. Je m'attendais quand même à mieux, mais ça a été. Le deuxième, par contre, c'est le petit Marseillais bio myrtille sauvage. Je vous en avais déjà présenté un. Je crois que c'est celui à la rose sauvage ou un truc comme ça que j'avais kiffé. Bah là, j'ai encore plus kiffé. Mais comment il sent bon! Ah là 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 là, l'odeur myrtille sauvage, exceptionnelle. Gel douche énergisant, ouais, je sais pas, ces trucs-là, c'est un peu n'importe quoi. Le côté je suis rechargeable, j'ai pas testé, j'ai pas vu en magasin encore les recharges. Par contre, j'ai trop aimé, j'adore. Je vais continuer à tester les autres odeurs, mais oh là là là, celui-là, je vous le conseille, il sent trop trop bon. J'ai fini une petite huile Melvita, huile d'argan, tout simplement. Donc en miniature, j'avais les huiles Melvita. Moi, je vous les conseille parce que bah, Melvita, on sait, c'est bio, c'est naturel. La marque est très sérieuse. Et moi, j'achète l'huile de Nigel que là-bas. Mon huile miracle. L'huile de jojoba, je l'achète là-bas. L'huile de coco, maintenant qu'ils l'ont fait aussi en tube et tout, c'est super pratique. Et du coup, l'huile d'argan, c'est pas la première fois que j'ai des petits formats comme ça. Et franchement, je kiffe. Et l'huile d'argan, bah là, je m'en sers principalement. Je m'en servais pour ma peau, en fait, de temps en temps. Je m'en mets quand j'ai besoin d'hydratation un petit peu plus ou que j'ai envie, tout simplement. Et c'est de la pure. On en reparlera tout à l'heure. J'ai un autre produit là, huile d'argan, quoi. Et le dernier produit, c'est le shampoing solide aux vitamines de chez Dup. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc ils disent cheveux normaux, écoutez, pour mes cheveux secs et ultra secs sur les pointes, bah c'était parfait. Il mousse, il est nickel, il sent super bon. Donc je parle bien celui de la vitamine. Donc là j'ai acheté le normal pour tester, pour voir s'il est aussi bien ou pas. Et je voulais acheter aussi vitamine comme ça pour mettre dans les box à gagner. Le concours doit être encore présent. Bref, je vous offre deux box beauté. J'ai tellement kiffé que je vous l'ai mis. La composition est nickel. Alors après, par rapport à la... Ils disent que ça contient... ça, c'est comme si vous utilisez deux bouteilles. Ouais, deux bouteilles de 250 ml. Alors moi, non. Alors après, j'ai de la masse, hein, on va pas se cacher. J'ai de la longueur de malade. Mais c'est surtout que je l'ai mis dans une boîte. Il a pris l'eau. Ça a fondu. À la fin, ça pesait plus un rond, mais un caca. J'avais fait exactement la même connerie avec celui de chez... Celui de chez Lush, pourtant j'ai acheté la boîte et tout, j'ai oublié de la mettre dedans. Eux ils disent de mettre une petite cordelette, de l'accrocher, mais c'est pareil, à un moment ou l'autre ça va prendre l'eau. Bref, faut faire attention à ça parce que du coup bah, ils font et après bah, ça devient. Voilà quoi. Mais bon, je m'en suis servie jusqu'au bout et je kiffe. Et depuis que je l'utilise, bah, non seulement mes racines sont propres, j'ai pas l'effet gras
comme certains shampoings ces derniers temps que j'ai testé, que c'était une catastrophe. Et j'ai pas les pointes sèches. Et mes cheveux sont souples. Et j'ai kiffé, même par. Vous avez. Si vous me suivez sur Instagram, même ici, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, j'en peux plus de ma touffe, j'en peux plus de ma longueur. Là, je pense que je vais me prendre rendez-vous chez le coiffeur, là, je vais me prendre un petit budget coiffeur. J'en peux plus, mes cheveux sont trop épais, sont trop longs, je les supporte plus. Et depuis que j'utilise ce shampoing, bah, j'ai moins cette sensation quand même de j'en ai marre, mes cheveux, ils sont trop longs, ils sont, vous voyez, parce qu'ils sont propres, ils sont souples, ils sont hydratés, donc voilà. Apparemment, j'ai vu des avis plutôt positifs. Il y en a qui ne l'aiment pas du tout. Et ceux qui ne l'aiment pas souvent, c'est ceux qui passent de compo n'importe quoi à compo bah, clean. Parce que c'est clean. Donc voilà. C'est sûr que ça ne va pas le faire. Moi, mes cheveux sont détoxifiés depuis, bah, ça y est, 1 an. Même plus d'un an parce que j'avais déjà commencé. Mais vraiment, encore plus 1 an. Mais sans sulfate, sans rien du tout. Donc voilà. Au visage, et d'habitude c'est la catégorie où c'est blindé, bah là rien rien du tout. J'ai testé des échantillons de chez Patika que j'ai eu avec la mousse que j'ai acheté visage. J'avais le sérum repulpant à l'acide hyaluronique et la crème remodelante jeunesse ride comblée pour affermi. Les échantillons étaient assez petits, donc j'ai pas pu tester de ouf. Mais ce que je sais, c'est que les textures sont agréables, mais ça m'a pas fait du bien dès le début. Donc pas ouf. Voilà. Pour le prix, je tenterai pas à acheter. Si vraiment vous avez essayé, dites-moi. En tout cas, moi, le seul produit que j'ai essayé pour l'instant, c'est la mousse. Et je regrette parce que j'ai voulu trouver une alternative à ma mousse Melvita. Mais non, quoi, l'odeur, elle est pas possible. Et au niveau de l'effet, c'est pas ouf. J'ai fini les petits patchs Dutch. Je crois que je vous en avais déjà parlé parce que je les avais déjà achetés. Vous savez, les petits patchs que vous mettez sur les boutons. J'aime bien de temps en temps, je trouve que ça fait de l'effet. Et ceux-là, je les aimais bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, bon, bah, ils sont pas très chers. Il y a de l'acide salicylique dessus et du tea tree. C'est des petits trucs comme ça à l'intérieur. Et en fait, il y a plusieurs tailles. J'avais un vraiment rond assez petit pour les petits boutons et un tout petit peu plus grand pour les plus gros boutons. Ça dépanne, des fois je me le mets le soir comme ça, le matin. Des fois ça aide à réduire quand même le bouton ou un peu pour la douleur. Voilà. Voilà. Je les aime bien. Et la dernière chose, c'est l'eau florale de rose. Je vous le dis tout le temps, j'utilise que ça donc. Vous avez l'habitude, mais là c'est un flacon de 400 ml que je ne trouve pas chez Melvita. Ils le font pas, je sais pas pourquoi, ils font que le spray. Et celui-là, je l'avais eu donc à la parapharmacie de chez Auchan en promo en plus, donc je l'avais pris. Le seul truc, c'est que comme ça, j'en vois pas trop l'utilité de faire comme ça, à part pour le même en sérum. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, je l'ai transféré dans le speech de dans le spray de 200 ml, je crois. Voilà, comme ça je l'ai transféré dedans et j'ai pu m'en resservir. Là j'ai carrément vidé, bon, pour vous dire, mais ça m'a fait un bout de temps. Hein. Mais je kiffe, j'achète tout le temps l'eau florale de rose de chez Melvita. Tout à l'heure je vous parlais d'huile d'argan que j'utilisais pour le corps. J'avais aussi le petit échantillon Melvita Argan Concentré Pur Huile Sérum Jeunesse. Alors cette gamme, elle est hyper hyper concentrée. Donc là, c'est vraiment l'argan concentré pur. Donc quand ça sent l'argan concentré pur, moi je trouve que ça sent pas très bon. Honnêtement, l'huile d'argan, si elle est pure, je trouve pas que ça sent super bon. Mais après, c'est pas non plus une odeur désagréable. Mais comment ça fonctionnait super bien, je peux vous dire que je l'ai vraiment économisé. Le soir, de temps en temps, j'en mettais un petit peu sur ma peau et ça me faisait vraiment du bien. Et le matin, ma peau était repulpée. Elle doit coûter un brin, hein, j'ai pas regardé le prix, mais génial, j'ai adoré. Donc moi je l'ai utilisé que le soir, de temps en temps, quand vraiment j'avais besoin, que je sentais que c'était pas de l'hydratation que j'avais besoin, plus se nourrir. Voilà, génial ce produit, génial. J'ai fini la crème contour des yeux Cara Look. J'ai envie de dire enfin, mais non, parce que je la kiffe, mais je voulais tester autre chose. Alors, la gamme Cara Look, je la kiffe. Pour l'odeur, ça sent le caramel. J'ai encore le soin pour la nuit, là, la crème pour le soir. Qu'est-ce que j'aime cette gamme? Alors, le contour des yeux. Donc ça faisait, c'était un peu marronné, donc quand vous le mettez, ça crée
un floutage et ça élimine le regard. Donc je trouve que pour le matin, c'était super bien. C'est hyper nourrissant. Donc si vous avez le contour déshydraté, ça va vous aider de ouf. J'ai vraiment aimé cette crème. J'ai eu aucun problème quand je l'ai utilisée. Le seul truc qui me manque, c'est le côté anti-ride. Et moi, j'en ai grave besoin parce que sans qu'ils arrivent. Voilà quoi, même si je fais pas mon âge, tranquille, je veux pas qu'elles arrivent non plus. Et je les sens arriver. Donc moi, j'aime toujours quand il y a quand même le côté anti-ride, anti-âge et tout. Et là, c'est pas le cas, elle est vraiment hydratante. Ouais, c'est vraiment nourrissant. Ce qui me choque, c'est que ça élimine et ça lisse. Voilà, donc une bonne base avant le maquillage. Je l'ai essayé matin et soir, c'était efficace. Après, je l'ai mis que le matin. Efficace aussi, je vous dis, c'est juste le côté anti-ride pour moi qui me manque, mais allez-y, en plus, rien que l'odeur, c'est sensoriel, ça sent le caramel, mais ça sent trop bon, j'adore. Et la dernière chose que j'ai pas vraiment fini, comme vous voyez, le flacon il est à plus de la moitié, hein. Donc c'est le sérum booster éclat vitamine C et acélérola de prescription lab. Quand je l'ai eu dans la box, je voulais trop la tester, je me suis dit, ah, trop bien, vitamine C. C'est la grande mode en ce moment. Je suis dégoûtée, il m'a fait aucun effet. Donc au début, je l'ai essayé le soir parce qu'ils disent d'y aller doucement pour voir si la peau elle tolère. Je voyais pas d'effet de ouf. Après, je l'ai essayé matin, pas d'effet de ouf. Je l'ai essayé avec mon sérum, mélangé au sérum, rien de spécial. Je l'ai mis matin et soir, rien de spécial. Je me suis dit ça m'a saoulé. Moi, j'aime bien quand les produits ils font. D'un coup, vous voyez, genre quand je l'applique, ça marche, ou genre quand le lendemain, je me réveille et je vois une différence. Là, rien, j'étais dégoûtée. Donc, c'est un beau flacon en verre et une pipette qui, en plus, donne la juste dose. Il y a plein de personnes qui m'ont dit que ça marchait bien sur eux et tout. C'est un best, hein, ces œufs, ça a fait vraiment fureur. Donc, écoutez, moi, j'ai pas aimé. Donc, comme d'habitude, je vous le ferai gagner, par contre, sur Instagram. Donc, faudra aller sur Instagram... Quand je vous posterai cette vidéo, elle serait à gagner sur Instagram, très rapidement. Par contre, ça sera en story sûrement les concours d'occasion que je fais comme d'habitude. J'ai du maquillage parce que j'ai fait du tri. La base, je vais jeter le Cash Charm Total. Donc en fait, c'est le correcteur de chez NYX. C'est un correcteur orange pour cacher les cernes. Je m'en suis servi pendant des années. C'est un pot, mais interminable. Vous croyez que je n'y ai même pas touché. Vous en mettez un petit peu sur le cerne et par-dessus votre anti-cerne. Et ça corrige en fait tout le côté marron, noir, vert du cerne. Et il y a une super grosse différence. Je vous ai fait une vidéo il y a un moment. Je vous l'accroche. Elle est super intéressante. Je vous parle de toutes les cernes. Comment les soigner, comment les camoufler. Et je vous montre la différence avec un correcteur et sans correcteur. J'en rachèterai un peu moins orange. Parce que orange, généralement, c'est vraiment pour les teintes plus foncées. Mais moi, je m'en suis servi et ça fonctionne bien. C'est juste qu'il faut en mettre une toute petite quantité. Là, je l'ai jeté parce qu'il est périmé le truc. Hein. Je l'ai depuis des années. Et je vous dis, j'en achèterai un avec une couleur un peu plus orangée, mais pêche. Le jaune, moi, marche, mais pas de ouf. Je préfère le orange. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace que la couleur jaune qui neutralise. À mon plus grand regret, j'ai terminé le mascara Unexpected Paradise de chez Kiko. Je vous en ai beaucoup parlé. C'est celui avec la brosse qui twist comme ça, le dupe du By Terry. Comment je l'ai kiffé, il est vraiment efficace de fou. J'ai adoré, j'ai fait plusieurs fois des vidéos et c'était une édition limitée, mais on le retrouve encore un petit peu, donc si vous avez la chance de le trouver, prenez-le, testez-le. Franchement, il est exceptionnel, je l'ai adoré. Moi, si je le retrouve, je le reprendrai. J'ai terminé le mini Tarte Shape Tape. Je vous en avais parlé dans une vidéo, j'avais fait une vidéo avec que des miniatures. Donc c'est pour ça que je l'avais racheté pour retester parce que je l'aime pas. Mais ça faisait des années, donc je me suis dit, entre temps j'ai changé, voilà, moi je l'aime toujours pas. Moi je trouve qu'il me marque, il camoufle bien, ça c'est clair, mais il me marque les plis. J'aime pas l'effet qu'il fait. Et voilà, donc je l'avais acheté en mini, mais si vraiment vous voulez le tester, allez-y en mini. Mais sinon, ça se termine trop vite, c'est abusé. Il fait combien de millilitres? Il fait 1 millilitre, donc je peux vous dire que vous en servez pas beaucoup. Mais... franchement, pour le voyage, c'est pratique. Si vous voulez le mettre dans une petite trousse pour les week-ends, vous l'avoir toujours comme ça et tout, c'est pratique. Ou pour le tester, super bien. Et moi, j'avais la teinte light medium, plutôt nickel.
Et le dernier, c'est le spray. Je ne m'étais même pas aperçue qu'il y avait encore des gouttes. Mais c'est le spray Révolution, Make-up Révolution, le spray régénérant à la rose musquée. Bah, il m'a pas fait d'effet en fait. Ah, il en reste en fait. Il en reste un petit peu. En fait, voilà, il se pisse mal. En fait, il est bien au début, puis après, il fait des grosses gouttelettes. Au niveau du fait de faire tenir le maquillage, de le fixer, de le rendre beau, pas d'effet. Alors après, c'est vrai qu'ils ne disent pas spécialement, mais ils disent régénérant à la rose musquée. Je trouve que l'odeur, elle n'est pas terrible. À part rafraîchir, il n'a pas d'intérêt. Après, il y en a plein d'autres dans cette gamme, mais là, honnêtement, pas d'intérêt, quoi. Et la dernière étape, c'est du divers. Donc, je vous en ai déjà parlé. J'ai terminé un dentifrice Crest. Voilà, j'en ai encore... je crois que c'est le dernier que j'ai. J'en ai encore un, voilà, parce que j'avais acheté un lot de 5, je crois, sur Amazon. J'en avais donné, bref, et tout. C'est des gros tubes de malade. Je vous en parle tout le temps. Voilà, la prochaine fois que je reprends des Crest, par contre, je reprends pas celui-là. Je trouve qu'il n'a pas un effet de ouf. C'est un 100 ml. Donc... c'est le DK Prévention 1000 Mites et je me suis trompée. Moi j'aime bien prendre un qui est blancheur parce que c'est les Crest, ils font de la blancheur aux dents, mais encore plus quand vous prenez blancheur. Bref, il était pas cher, c'était un lot, ça valait le coup de malade. Donc j'avais pris, mais bon, il me reste encore un à finir. Après, je reprendrai. Après, les Crest, la compose, je sais qu'elle est pas très bonne, donc je sais pas si je reprendrai, si j'essaye quelque chose. Là, j'en ai acheté un autre d'une marque, j'ai pas encore reçu, on verra si ça fonctionne. En plus, la compo est bonne, donc voilà. J'ai fini un petit, comment on appelle ça, une base transparente de chez Yves Rocher. Franchement, je les aime bien, je les trouve trop bien les bases. Le top coat, je crois que j'avais essayé, je trouvais pas que c'est ouf. De toute façon, le vernis normal, c'est une catastrophe quoi. Là, je vois hein, par-dessus mon semi, j'ai fait un vernis normal et franchement, ça tient pas, ça me saoule. Bref, c'était pour dépanner hashtag confinement. Mais cette base transparente de chez Yves Rocher, je l'ai fini plusieurs fois et je trouve qu'elle est bien en fait. Elle protège vraiment bien et j'aime bien le pinceau. Donc voilà, je l'ai fini. Et j'ai fini aussi donc, le correcteur vernis de chez Kiko. Donc vous savez, c'est une pointe pour nettoyer autour des ongles quand vous dépassez au niveau du vernis. Et au bout, en fait, vous avez plusieurs embouts pour le changer quand il est crade, bah, comme là. Je ne sais plus combien il y en a dedans. En tout cas, vous en avez plusieurs pour pouvoir le changer de temps en temps. Je trouve qu'il marche bien le Kiko parce que je l'ai depuis des années, puisqu'en plus je ne fais plus vraiment de vernis et parce que je fais du semi-permanent et il n'a jamais séché, la pointe elle n'a pas séché ni rien, donc je trouve qu'il est vraiment bien. Donc si vous utilisez ce genre de feutre, prenez le Kiko, il est vraiment bien. On en a fini, je vous ai dit ça a été, enfin je me sens moins submergée de produits que d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.